mesdames et messieurs de la presse, heureux de vous retrouver dans le cadre de ces rendez-vous hebdomadaires qui revient sur les grandes décisions du Conseil des ministres. Le week-end dernier, c'était la 78e réunion du Conseil des ministres qui s'est focalisée sur plusieurs points, notamment l'audition du rapport de Madame la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, qui a fait les points de la participation de la République démocratique du Congo à la conférence cadre des Nations Unies qui s'est tenue à Sharm el-Sheikh en Égypte. Mais bien avant d'ailleurs que je ne revienne sur les grandes lignes du Conseil des ministres du vendredi passé, je voudrais aborder, aujourd'hui vous avez suivi, que suivant le programme qui a été tracé au terme du communiqué de Luanda, les débuts des discussions avec les groupes armés aujourd'hui à Nairobi. Nous aurons l'occasion de revenir tout à l'heure sur l'allocution du président de la République à l'ouverture de ces travaux. Vous avez tous observé qu'il s'observe une relative accalmie sur toutes les lignes de front, conformément à ce qui a été dit au mini-sommet, même si des rapports qui nous parviennent renseignent quelques mouvements dans les zones occupées par les M23. Nous continuons de suivre la situation et tout de suite, je tiens à rappeler que pour nous, les M23 ne participera pas aux discussions de Nairobi tant qu'ils n'ont pas libéré ou évacué les localités qui sont occupées conformément à ce qui a été convenu à Luanda. Et donc, le dernier conseil de ministres s'est focalisé sur plusieurs points, notamment dans la communication du président de la République, la question relative à la migration à la télévision numérique terrestre, TNT. Le président de la République est revenu sur la nécessité pour nous, en tant que ministère des tutelles, de parachever ces processus qui a connu beaucoup de difficultés à ses débuts parce que, visiblement, depuis 2015, nous ne sommes pas tous conformés à ce que cela prévoit pour nous permettre d'avoir des chaînes qui quittent l'analogique pour muter vers les numériques où les moyens à mettre en œuvre sont moins lourds que les moyens que l'on mettait en œuvre pour le numérique, pour l'analogique, mais il y a eu visiblement des difficultés dans la compréhension de cette réforme, mais aussi une question d'accessibilité. Nous sommes en train de travailler avec les collègues du gouvernement, notamment pour voir comment on mettra à disposition des décodeurs pour ceux qui ne disposent pas des télévisions intelligentes qui comptent des décodeurs incorporés pour leur permettre de suivre les chaînes sur le numérique. Mais bien au-delà de ça, il y a un programme d'assainissement qui a commencé et qui est fini. Il ne reste plus qu'à prendre la décision pour voir comment on peut débrancher un certain nombre de chaînes. Et donc, l'interpellation du président de la République nous encourage pour aller vers la finalisation du processus dans la phase 1 qui s'est fait à Kinshasa et dans 9 villes, mais aussi faire la mutation dans 65 autres villes de la République démocratique du Congo. Il faut être initié pour comprendre tout cela, comment doit se faire, mais nous aurons l'occasion de revenir dessus pour vous donner plus de détails. Le président de la République est revenu aussi sur la nécessité pour toutes les entreprises publiques de faire appliquer le régime général de sécurité sociale pour tout ce qui concerne accès des soins de santé et un besoin pour nous, tout comme de ma collègue de l'Emploi et Travail, d'expliquer. Nous aurons l'occasion sûrement de revenir avec elle au cours d'un briefing pour expliquer pourquoi c'est si important que la loi fixant les règles relatives au régime de la sécurité sociale puisse donner tout son pouvoir et améliorer les vécus quotidiens de compatriotes. Le président de la République a aussi demandé au gouvernement d'encourager les initiatives privées dans les provinces. Vous avez vu qu'il avait été Makutano à Lubumbashi, à Mbujimayi, qui faisait un focus sur les 145 territoires, mais aussi au Congo central, où il a participé à une initiative similaire. Le président de la République a donc exhorté le Premier ministre et tous les membres du gouvernement à travailler avec les gouverneurs de province pour à la fois améliorer les climats des affaires et encourager les entrepreneurs locaux dans nos différentes provinces pour que les développements puissent partir de cette partie du pays. À son tour, le Premier ministre avait donc eu l'occasion de saluer les avancées diplomatiques, notamment à travers les communiqués du mini-sommet de Luanda. Et donc, il a tenu à féliciter les présidents de la République parce que vous voyez qu'aujourd'hui, nous connaissons de progrès par rapport à la situation que nous connaissions avant ces sommets. Il est revenu aussi sur les résolutions que nous avons fait passer quand nous avions à Djerba assisté aux différentes réunions de la francophonie.
où on a rappelé la nécessité pour tous d'observer l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et d'œuvrer en synergie pour mettre fin à la question de la violence et des groupes armés. Et puis c'était des points d'information. On est revenu notamment sur la hausse des statistiques de Covid-19 et la nécessité pour nous tous de prendre des précautions. Il y a une sixième vague qui est en cours, même si elle est de faible intensité, mais dans la perspective des fêtes des fins d'année qui constituent des moments des retrouvailles familiales, il y a lieu que chacun de nous puisse faire attention. Donc, observance des gestes barrières, vaccination pour ceux qui ne sont pas encore et pour ceux qui ont besoin de booster leur vaccin, nous vous le conseillons vivement. Et donc parmi le point, autres points qui ont été abordés durant ce conseil de ministres figure justement le point qui va faire l'objet de notre discussion centrale de ce soir relatif à la participation de la République démocratique du Congo à la conférence des partis à Sharm el-Cheikh en Égypte. Je voudrais donc donner la parole à ma collègue de l'environnement pour qu'elle puisse faire le résumé ou l'économie de ce qu'elle a présenté en conseil qui, en réalité, résume le sens de la participation de la République démocratique du Congo, pays solution, à ces grands rendez-vous annuels du climat. Madame la vice-première ministre, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, monsieur le ministre, porte-parole du gouvernement, et pour cette opportunité à travers nos médias, pour en fait rendre compte à la population de ce qu'a été la COP 27. Avant toute chose, je tiens d'abord à saluer, à féliciter le leadership climatique du chef de l'État qui n'est plus à démontrer, ainsi que le Premier ministre et chef du gouvernement, parce que ça faisait quand même des années. La RDC était totalement absente dans les discussions autour du climat, alors que notre potentiel environnemental devait normalement, naturellement, nous mettre dans cette situation-là. Et la preuve, c'est que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, depuis que les COP existent, nous avons pu organiser à Yangambi, du 5 au 7 septembre, la pré-COP des scientifiques, parce que nous avions obtenu aussi la possibilité d'organiser du 3 au 5 octobre la pré-COP des ministres, parce que les pré-COP s'organisent à travers le monde, mais en ce qui concerne les scientifiques, c'était la première fois. Et nous l'avons organisé en toute souveraineté, c'est-à-dire ça a été pris en charge totalement par le gouvernement congolais avec nos maigres moyens, mais vous avez vu des impacts, comment ça a eu. Alors, notre participation à la conférence de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la 27e conférence en Égypte, a été aussi un autre moment très important. Je dois souligner que, autant au niveau international, il y avait des objectifs de cette COP 27, nous aussi, au niveau interne, nous avions nos objectifs. Au niveau international, prenons le cas de la présidence égyptienne, la COP 27 a été un moment important comme objectif, l'urgence d'honorer les engagements climatiques pris depuis Rio de Janeiro en 1992 jusqu'à Glasgow. Donc de 1992 jusqu'à l'année dernière, en 2021, nous devions absolument, au niveau international, tous les pays du monde, appliquer et mettre en œuvre les engagements que nous avons pris. La deuxième chose, c'était rehausser donc le niveau des ambitions climatiques pour atteindre l'objectif de limiter le réchauffement de la planète, la moyenne en dessous de 2 degrés, donc à 1,5 degrés Celsius. C'est un engagement global. Peut-être s'il y a des questions, on pourrait répondre. Ça, c'était les deux objectifs au niveau international. Mais pour nous, comme pays solution, République démocratique du Congo, nous avions 5 objectifs de notre participation et donc nous allons nous évaluer par rapport à ces objectifs. Premièrement, nous devions consolider le leadership environnemental et climatique de la RDC en tant que pays solution à la crise climatique. Parce que si nous avions présenté cela en 2021, l'année passée, peut-être les autres pays étaient dans la surprise. Nous avons expliqué pourquoi nous sommes pays solution. De cette époque, donc de l'année dernière jusqu'à aujourd'hui, et c'était maintenant la consolidation de cette position-là. Deuxièmement, vendre une image positive du pays à travers notamment le pavillon RDC. Parce que dans ce genre de conférences,
lorsqu'on y va, on a des pavillons. Vous allez montrer les échantillons en fait, de ce que vous avez comme potentiel et ce que vous avez déjà effectué comme action ou alors les ambitions par rapport à l'activité, c'est-à-dire la lutte contre le réchauffement climatique. Troisième objectif, c'était participer activement à défendre les positions de la RDC aux négociations. Parce qu'il y a une série de négociations. Au début, il y a les segments de haut niveau, des chefs d'État, etc. Après, il y a des ministres suivis des négociations de tout ce qui concerne les thématiques du climat. Et quatrième objectif pour nous, c'était contribuer au renforcement de l'intérêt de la communauté climatique internationale sur les bassins du Congo. Parce que nous parlons de la RDC, c'est vrai, mais la RDC se trouve au sein du bassin du Congo. Et le bassin du Congo a tout le temps été ignoré, au-delà du fait que le bassin du Congo joue un grand rôle face aux enjeux du climat. Et enfin, le cinquième objectif pour notre pays, c'était tisser des partenariats susceptibles d'appuyer la RDC dans sa vision des pays solutions à la crise climatique. Donc, j'ai voulu présenter ces objectifs. Peut-être, si je peux continuer en attendant les questions. Allez-y. Alors, donc, lors des négociations proprement dites et qui ont commencé du 9 jusqu'au 20 novembre, les négociations ont tablé sur l'adaptation, l'atténuation, les pertes et préjudices ou pertes et dommages liés aux impacts du changement climatique. La question de la finance climat est revenue sur la table, le transfert des technologies, les bilans mondiaux. La décision principale de la COP27 est l'organisation de la COP27. Alors, relatif aux questions d'adaptation, il y a eu des promesses. Là, je suis dans les résultats que nous avons obtenus. Il y a eu des promesses évaluées à environ 230 millions de dollars destinées à renforcer l'adaptation d'ici 2030. La résilience donc des personnes et des communautés les plus vulnérables au changement climatique, c'est-à-dire leur donner la capacité de s'adapter à la nouvelle donne du climat, laisser les habitudes que nous avions, les activités polluantes, les habitudes qui ne protègent pas l'environnement. Alors, il faut des moyens pour le changement des comportements, le changement des procédés nécessite des moyens. Donc, on a obtenu une promesse de 230 millions de dollars d'ici 2030. Alors, les questions relatives aux pertes et dommages, le parti, donc tout le monde, dans tous les États dans cette conférence, nous nous sommes convenus à l'établissement d'un nouveau mécanisme de financement. Parce que les pertes et dommages, c'est quoi? Lorsque les pays pollueurs ont pollué, il y a eu des conséquences de réchauffement climatique. Il y a des pays qui payent les frais de ces réchauffements. Je donne l'exemple de la République démocratique du Congo. Avec les réchauffements climatiques, il y a l'assèchement. Dans les pays du Sahel, par exemple, l'élargissement des déserts des Sahara. Donc, les éleveurs qui sont là commencent maintenant à chercher les pâturages. Dans leur recherche des pâturages, naturellement, ils viennent vers la République démocratique du Congo, vers le bassin du Congo. Nous avons reçu ici une dizaine d'années aujourd'hui des Mbororo, les peuples Mbororo dont on parlait. Ils viennent avec hommes et bétail, et avec leurs zoonoses, donc les maladies des bétails. Ils viennent sans documents. Ils viennent armés et avec ces troupeaux-là, traversent les frontières, atterrissent chez nous et il y a des conséquences de destruction de l'environnement, il y a des conséquences de contamination des maladies, il y a d'autres conséquences même des conflits interethniques, des conflits fonciers, etc. Alors, les pertes-là, nous les subissons alors que nous ne sommes pas responsables des pollutions. Maintenant, comment est-ce qu'on devra nous indemniser? Alors, quel est le mécanisme où on va mettre ces fonds? On ne peut pas mettre ces fonds ni dans les véhicules de la Banque mondiale ou les fonds monétaires ou même la Banque africaine de développement parce que ces structures au départ des institutions de Bretton Woods et autres étaient conçues pour non seulement les prêts, mais l'aide humanitaire. Et là, on n'est pas dans l'optique de l'aide humanitaire, on est dans l'optique des pollueurs-payeurs. Vous avez pollué, vous devez payer. Donc, c'est nous qui allons fixer les degrés de préjudice que nous avons subis. Et puis, vous devez nous donner des fonds qui ne sont pas remboursables. Donc, il n'y a pas un problème. Mais ce sont des fonds colossaux. Par quelle voie il faut les donner? Donc, nous avons mis en place, étudier les mécanismes où nous allons devoir recevoir ces fonds. La même chose pour l'atténuation.
Nous avons urgentement donc pris les ambitions dans le sens d'atteindre, atténuer la température planétaire à 1,5 degrés Celsius d'ici 2030. Parce qu'il y a des problèmes sérieux en cela. Prenons le cas des G20, je l'ai toujours dit, et c'est ça la vérité vraie. 20 pays du monde, à eux seuls, sont responsables de 80% des pollutions dans le monde. L'Afrique, nous sommes dedans, nous sommes responsables qu'à l'arrondi de 4%. Maintenant, on leur demande de changer leurs procédés polluants, leur industrie qui pollue. Ils doivent amener le matériel ou la technologie non polluante. J'ai toujours donné l'exemple le plus simple, c'est le cas des automobiles. Donc l'industrie automobile où on doit arrêter à utiliser, donc à fabriquer des véhicules polluants. Il faut maintenant fabriquer les véhicules non polluants, donc les voitures électriques. Ça, c'est pour atténuer le dégagement des gaz à effet de serre. Mais un autre exemple important est aussi l'utilisation de l'énergie. Quel genre d'énergie? Vous savez qu'au nord, maintenant, c'est l'hiver. Alors, ils ont besoin de gaz, n'est-ce pas? Ils utilisent souvent l'énergie la plus polluante, l'énergie fossile, qui est le charbon. Alors, nous devons leur demander, nous avons exigé, donc tous les pays du monde ont exigé à ce que ces pays du nord arrêtent l'utilisation de charbon dans leur industrie par rapport à l'énergie. Alors, nous avons aussi renforcé la question des finances. Vous savez qu'ils sont tributaires, ils ont pris des engagements, n'est-ce pas, par rapport à la situation de pollution. Quand je dis « ils », le pays pollueur, alors, ils ont pris les engagements depuis 13 ans aujourd'hui de mettre sur la table 100 milliards de dollars américains par an, n'est-ce pas, pour la finance climat, pour juguler la pollution dont ils ont fait. Ces fonds-là devaient aider le pays comme le nôtre, qui sommes victimes et à la fois contributeurs pour donner des solutions basées sur la nature à la crise climatique, pour nous permettre de nous adapter à la nouvelle donne du climat et pour nous permettre, par exemple, de répondre aussi, de mettre en œuvre notre contribution déterminée, ce que nous avons pris comme engagement des diminutions des émissions. Jusqu'à présent, ils ne l'ont pas encore fait. Et nous avons globalement vu qu'il nous faut environ 4 à 6 000 milliards de dollars par an pour assurer la transition mondiale vers une économie verte. C'est quoi aller vers une économie verte? Un peu comme le ministre a dit, nous quittons dans la nouvelle technologie de l'information et des communications, de l'analogie au numérique. Donc nous devons quitter des procédés polluants aux procédés non polluants. J'ai parlé de l'industrie de l'automobile. J'ai parlé aussi de l'énergie, c'est-à-dire au lieu d'utiliser l'énergie polluante du genre les groupes électrogènes ou le charbon, nous devons aller vers l'énergie bio, l'énergie qui respecte les normes écologiques. Il s'agit de l'hydroélectricité, n'est-ce pas? C'est une énergie propre. Nous devons élargir donc la desserte en électricité. C'est une stratégie par excellence de diminuer la pression vers la forêt, nous utilisons les bois comme énergie de chauffe. Et prendre aussi l'énergie alternative. Nous avons le soleil qui nous passe par-dessus la tête, donc nous devons capitaliser ce potentiel-là d'énergie qu'on appelle photovoltaïque et aussi l'énergie éolienne, parce que nous avons des savanes, nous avons des endroits où il y a le vent qui peuvent nous aider à avoir cette énergie éolienne, ainsi que l'énergie, la biomasse. La transformation des déchets aujourd'hui qui constitue un scandale dans l'opinion par rapport à la saleté, vraiment. Mais c'est une matière première. Une fois transformée, ça nous donne aussi les gaz, ça nous donne aussi l'énergie. Donc voilà, c'est cette transition. Donc, pour créer maintenant ces industries, ces entreprises, il nous faut ces fonds. Alors, il y a eu une question relative au transfert des technologies. Nous avons le potentiel, nous avons les forêts, nous avons les métaux stratégiques ou minéraux stratégiques, nous avons tout, mais il nous manque l'expertise et la technologie. Donc maintenant, on est dans les partenariats gagnant-gagnant. Le Nord amène, le Nord ou, c'est pas moi, même la coopération Sud-Sud, ceux qui en ont amènent la technologie, nous mettons à disposition notre potentiel avec comme conditionnalité la transformation locale ici, pour que nous aussi, nous puissions y accéder. Alors, en termes de dividendes, encore ce qui est le plus important, je vous ai parlé de nouer les relations. On est là dans l'objectif 17 de développement durable.
nous avons signé deux accords importants. Le premier, c'est le groupe de travail entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo. Ce sont des négociations qui ont commencé depuis que la RDC s'était présentée comme étant pays solution. Nous avons pu obtenir l'attention, nous avons attiré l'attention du monde par rapport à ce que nous constituons. Alors, la RDC et les États-Unis ont mis en place un groupe de travail qui sera chargé d'explorer les possibilités de développer l'économie de la RDC de manière durable. Je vous ai dit, nous avons le potentiel, nous avons besoin de la technologie. Et ce groupe de travail va se focaliser sur les questions de l'énergie, notamment l'énergie renouvelable, j'ai déjà explicité, la conservation et la gestion des forêts, l'agroforesterie, qui va aider donc à nous adapter à la nouvelle donne du climat, en laissant l'agriculture itinérante sur brûlis, en utilisant maintenant l'agriculture mécanisée, l'agriculture qui ne pollue pas, l'agriculture qui préserve l'environnement. Et nous avons aussi, nous allons travailler aussi sur les questions de marché des crédits carbone, mettre les forêts en programme et aussi accéder, donc percer ces milieux-là des marchés des carbone. Il y a un marché qui s'organise en Californie, il y a d'autres marchés qui s'organisent ailleurs. Ce sont des marchés fermés à leur niveau où leurs entreprises qui polluent, là on est dans les partenariats public-privé, leurs entreprises qui polluent achètent les crédits carbone dans les forêts reboisées à leur niveau, alors à un certain prix respectable, alors qu'à notre niveau, le prix est moindre. Voilà. Mais nous avons dit, avec ces groupes de travail, nous allons percer donc ces milliers de ces marchés parce que nous exigeons l'augmentation, la révision à la hausse des prix de la tonne de carbone pour nous permettre nous-mêmes de financer nos projets d'adaptation et nos projets de préservation de notre environnement et pourquoi pas booster aussi ce que nous appelons la solidarité avec les autres pays qui sont victimes comme nous, mais qui n'ont pas, qui n'ont rien comme potentiel à contribuer à la lutte contre les changements climatiques et ils attendent la disparition. C'est comme les pays insulaires, par exemple. Il y a aussi la question de l'agriculture, les systèmes agroalimentaires, parce que les États-Unis sont dans les Food for the Future et l'écotourisme, la transformation locale de nos ressources naturelles, le soutien diplomatique à tout ce que la RDC est en train d'organiser, parce que là aussi, parfois, ça nous manque. La RDC, c'est pour moi, on a parlé, à parler. Il y a la sourde oreille, parfois, dans des situations importantes ou des questions importantes qui nous préoccupent. Nous devons avoir aussi ce soutien diplomatique. N'oubliez pas que les États-Unis, ils sont des pays pollueurs aussi. Ils ont un devoir à encadrer, à accompagner un pays qui donne la réponse face aux enjeux du climat, mais aussi, c'est un pays qui a, jusqu'à ces jours, un droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, nous avons signé un autre accord important entre l'Indonésie, le Brésil et la République démocratique du Congo. Ça, c'était quelque chose qui devait se faire depuis longtemps parce que de manière tout à fait naturelle, nous sommes dans le même hémisphère, nous avons le même défi, nous avons le même potentiel, le même avantage. Je pense qu'il était et grand temps pour que nous puissions parler le même langage. Le Brésil a le lead en termes d'espace dans le bassin de l'Amazonie. La RDC a le lead aussi en termes d'espace et du potentiel dans le bassin du Congo. Il en est de même pour l'Indonésie. Donc la coopération va s'activer autour des forêts tropicales et l'action du climat, le renforcement de l'influence donc, de ces trois États dans les négociations du climat parce qu'il faut peser dans les négociations, la recherche des bénéfices appropriés au regard des contributions des forêts tropicales humides dans la lutte contre les changements climatiques. Parce que j'ai parlé des forêts, parmi les résultats obtenus, en tout cas dans la décision finale de la COP 27, parce que durant toute la discussion, les questions des forêts n'étaient vraiment pas considérées. Nous avons haussé les tons. Il y a d'ailleurs, je dois souligner notre collègue, notre homologue plutôt de Congo-Brazzaville, Madame Arlette Nono-Soudan, qui avait claqué la porte, parce que sinon on est venu là pour quoi faire, parce que nous apportons la réponse face à la lutte contre le climat, le réchauffement climatique. Si vous ne tenez pas compte du potentiel qui constitue donc cette réponse, alors pourquoi nous sommes là? Et nous étions restés, et elle est revenue par la suite, dans les négociations qui étaient même prolongées
au-delà de la date prévue et nous sommes parvenus, en tout cas pour la première fois, à faire intégrer les dispositions concernant le rôle des forêts dans la lutte contre le changement climatique qui avait été initialement mis de côté. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important. Voilà. Donc la visibilité politique, diplomatique que nous avons obtenue et la visibilité environnementale est très importante. Je pense que nous avons obtenu cela. Nous devons nous maintenir. Maintenant, il s'agit de récolter les dividendes en termes des espèces sonnantes et très vivantes, en termes de financement de nos projets. Et nous sommes déjà dans ces pipelines. Nous sommes dans la bonne voie. Ce n'est pas à moi de le dire. Je crois que vous suivez les réseaux sociaux, vous suivez les médias internationaux, comment la RDC est au centre des préoccupations mondiales en termes de climat, ce qui n'était pas avant. Coup de chapeau donc au leadership au niveau du sommet de l'État, et je l'ai dit, le chef de l'État et le Premier ministre qui soutiennent le travail que nous faisons humblement, modestement, pour les comptes de la République. Voilà. Merci beaucoup, Madame la vice-première ministre. Et c'est aussi l'occasion, à travers ces briefings, de faire le point à tous ceux qui nous suivent à la maison. Au dernier conseil de ministre, le ministre de la Défense nous a dit que plus de 8000 recrues étaient déjà à Kitona pour leur formation. Le ministre des Finances nous avait aussi parlé nous avait fait le point de la création d'une banque de développement et d'autres textes ont été adoptés. Voilà, en guise de mot introductif à cette rencontre avec les médias, on va commencer la série de questions. Mais s'il vous plaît, tenons-nous à l'essentiel, évitons de commentaires pour gagner le temps et permettre aux autres de poser des questions. On va commencer par Alfred Toumba. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup, Madame la VPM. Je voudrais avant tout vous féliciter pour le travail que vous avez abattu à Sharm el-Sheikh. J'étais avec vous et j'ai vu comment vous avez influencé les décisions à la dernière minute. C'était vraiment quelque chose de très louable et je voudrais quand même vous remercier par rapport à ça. J'ai deux petites questions. La première, pouvez-vous me dire, Madame, qu'est-ce qui vous a inspiré l'idée d'organiser les PECOP en RDC? Et si c'est possible de nous dire aussi les montants que le gouvernement congolais avait mis à votre disposition. Et puis, la deuxième petite question aussi, c'est de savoir, il n'y a pas très longtemps, vous faisiez beaucoup de bruit quand même sur la possibilité de lever le moratoire. Aujourd'hui, on a l'impression que vous êtes essoufflé. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Oui, merci beaucoup. Je vais commencer d'abord par le moratoire. Le moratoire a été levé au niveau du gouvernement. C'était une décision du gouvernement parce que nous avions expliqué que le moratoire n'avait plus sa place, n'est-ce pas? Parce que le moratoire signifiait quoi? Qu'il y avait depuis une certaine période, on ne peut plus octroyer les concessions forestières, que ce soit de conservation ou d'exploitation, jusqu'à ce qu'il y ait un certain nombre de critères qui étaient pris au niveau du gouvernement, du point de vue des cadres légaux, des programmes, etc. Mais malgré cela, on s'est retrouvé dans une situation d'octroi des concessions de manière illégale sur toute l'étendue du territoire. Lorsque nous avions levé les moratoires, ce n'était pas parce qu'on voulait brader nos forêts. C'était pour mettre maintenant en place des mesures plus coercitives qui dépassent les moratoires qui étaient devenus, qui étaient tombés caduques en fait par les faits des réalités du terrain. Et les partenaires n'ont pas compris. Il y a certains partenaires de la société civile qui ont crié à gauche, à droite, que la RDC avait en fait ouvert la voie au bradage des forêts de la République. Mais nous avons prouvé le contraire, je crois qu'ils se sont tus, justement parce que nous avons contrôlé, investigué. Il y a eu aussi le rapport de l'IGF qui nous a aidés et les investigations au niveau du ministère de l'Environnement. Nous sommes parvenus à suspendre les différentes concessions forestières qui, selon les éléments à notre disposition, étaient octroyées de manière illégale. Et cette suspension nous a permis de consolider
des concessions forestières, environ, je crois, c'est 33 millions d'hectares. Oui, 33 millions d'hectares qui sont environ un peu l'espace de la Belgique, plus 3 millions d'hectares. Donc, c'est maintenant récupéré au niveau de la République démocratique du Congo. Et nous avons mis en place la commission de révisitation de tous les contrats, les concessions, que ce soit d'exploitation ou de conservation. Si nous trouvons des failles qui énervent la loi, et nous n'allons pas hésiter de retirer purement et simplement ces contrats, c'est alors que la République va devoir les réattribuer à des gestionnaires et qui vont respecter la loi, et nous naviguons, nous allons plus vers la conservation parce que nous avons des objectifs 30-30 à respecter, la conservation de plus ou moins 30% de nos forêts, et il est de notoriété publique aujourd'hui qu'un arbre debout est plus important qu'un arbre couché en termes de marché crédit carbone et par rapport aux dividendes de la population. Alors, si je reviens à la question de dire pourquoi nous avons tenu organiser la Précop, je crois que je l'ai déjà répondu. Nous étions longtemps absents de discussions autour du climat, alors que nous avons la réponse mondiale. Le monde est en train de brûler. Les scientifiques nous ont dit clairement que la réponse, la thérapie à donner, cela, c'est la réponse est basée sur la nature. Première des réponses, les forêts. Ce sont les forêts qui absorbent les pollutions pour nettoyer l'atmosphère et nous redonner le souffle de vie. C'est une question vitale de toute l'humanité. Deuxièmement, on nous a dit qu'il faut changer de procédés, quitter des procédés polluants aux procédés non polluants. Là, il faut une nouvelle technologie et on a besoin des matières premières. Ce sont des métaux stratégiques que nous avons dans notre pays. Donc, nous constituons la réponse. Comment on peut être du reste? Nous devions absolument rentrer dans ces discussions-là au niveau international, des discussions des climats, et présenter qu'est-ce que nous avons, qui nous sommes, notre avoir et notre être pour valoriser au marché donc international en cette matière. La meilleure façon de ramener les projecteurs du monde pour la République démocratique du Congo, nous avons tenté à la COP26 pour la première fois utiliser les autres médias, encore que les nôtres n'étaient pas accrédités. Vous n'étiez pas là. Non, vous n'étiez pas accrédité à l'intérieur de la salle. Vous étiez là tout autour. Ça, je dis vrai, parce que c'est moi qui ai donné les accréditations. On n'a pas eu droit de citer directement. Alors, la meilleure façon d'amener les projecteurs du monde, c'est d'abriter ces travaux. Donc, avec les travaux de la pré-COP, la COP est organisée par l'Égypte, qui avait déjà gagné cette position plusieurs années avant, comme maintenant la COP 28 s'est déjà connue dans le monde entier, que ça sera des Émiratis, donc ça sera aux Émirats Arabes Unis. On ne peut plus venir demander quoi que ce soit, c'est comme un peu la Coupe du Monde, c'est programmé déjà à l'avance, c'était en République démocratique du Congo. Donc nous avons réuni, on a fait une première, la réunion des scientifiques pour nous donner les données réelles de notre capacité d'agir face aux enjeux du climat. Quel est le rôle de nos forêts réellement? Qu'est-ce que nous devons faire par rapport à nos tourbières? Nous les avons réunis pour la première fois. Ça n'a jamais existé dans le pays du monde. À Yangambi, sur terrain, là où il y a la réserve, la biosphère de Yangambi, nous avions eu plus de 100 experts scientifiques venus du monde entier, y compris les experts de renom en matière du climat. Je peux me permettre de citer le professeur Lewis qui a découvert les tourbières. Ils sont venus là sur terrain. Ça, c'était important. Alors, on a eu tous les projecteurs du monde. Et nous avions eu maintenant la réunion des ministres. Je m'attendais à l'accréditation, à la confirmation des 50 ministres, 50 chefs de délégation. Ils en ont eu plus de 80 chefs de délégation. Donc le monde était ici, au palais du peuple à Kinshasa, en termes de responsables qui prennent des engagements du climat. Les Nations Unies, le secrétaire général adjoint des Nations Unies était ici. Le secrétaire exécutif de la Convention cadre des Nations Unies pour le climat était ici. Le président de la COP 26 était ici. Et le président de la COP 27 de l'Égypte, avec lequel on a travaillé en partenariat. Tous les projecteurs du monde en termes de presse internationale étaient ici. Et c'est passé en direct dans le monde entier, merci à la RTNC,
c'est passé en direct. Non seulement la RTNC a fait passer, il y a la télévision égyptienne, par exemple. Tout le monde arabe qui ne connaissait pas le Congo a connu le Congo et c'était une opportunité. C'est pourquoi le président de la République aujourd'hui est débordé des invitations, est débordé des demandes à l'écouter sur la donne du climat. C'est pourquoi vous avez vu qu'il y a eu donc cet attrait des autres pays à signer des accords. Je me suis limité parce que si je dois faire les briefings, j'ai pris les plus importants des accords. Donc on est allé dans beaucoup de détails. Il y a même des privés qui sont déjà venus à l'avance nous dire en termes de crédit carbone, ils attendent que nous mettons les forêts en programme, ils vont même préfinancer pour acheter des crédits carbone de quelques années antérieures et de quelques années à venir. Ça, c'est quelque chose de très important. La balle est maintenant en République démocratique du Congo. J'étais au Parlement pour modifier la loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, y inclure la donne donc, de la taxe carbone et aussi la mise en place de l'autorité de régulation du marché de crédit carbone, parce qu'il nous faut un cadre légal et juridique pour que le gouvernement puisse travailler dans les normes. Alors, vous voulez parler en termes de budget. Je ne peux pas vous donner tous les détails du budget parce que c'est vrai, le gouvernement s'est engagé, mais nous sommes allés à Yangambi, on n'avait pas un seul rond du gouvernement parce que le décaissement a pris du temps. Nous étions obligés de préfinancer après dans le cas des partenariats public-privé. Alors nous sommes encore dans l'exercice de ces préfinancements et des transactions bancaires. Par exemple, je peux juste vous dire que les virements des transactions bancaires, des fonds qui devaient d'abord venir de la Banque centrale à la Rohbank, de la Rohbank à notre banque intermédiaire du ministère de l'Environnement, ils devaient d'abord renvoyer à une banque, comment on appelle ça, banque correspondante et tout. Ça nous a plus de 420 000 dollars que des transactions bancaires. Donc voilà, je ne sais pas vous donner les détails. L'IGF m'attend au moment opportun quand je vais finir mon rapport. Il n'a qu'à venir. Vous savez comment je suis méticuleuse en termes de gouvernance. Tout à fait. Voilà. On va prendre la question de Mme Christiane Ekambo et on prendra la question de Dadi Songoso après. Merci, Excellence. Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Environnement. Vous avez beaucoup parlé des forêts et même, vous l'avez dit ici, que vous avez eu du mal à un moment donné de faire valoir la voix de la RDC en ce qui concerne la forêt. Mais on sait une chose, que la guerre de demain, c'est la guerre de l'eau. Je pense que vous le savez. Et ici, nous avons le bassin du Congo. Moi, je voudrais poser la question de savoir où est la place du Congo, de la RDC, à partir du moment où le fond bleu est dirigé plus par le Congo-Brazza, on ne sent pas la place de la RDC. Une autre question, c'est quand vous parlez de l'agriculture mécanisée. Je me demande comment est-ce qu'on va faire donner la place à ces agriculteurs qui sont souvent des gens qui se débrouillent. Je vois par exemple dans l'arrière, dans les cités semi-rurales comme à Kimwenza, où il y a la topographie est incliné. Et est-ce qu'on aura les moyens d'utiliser des machines pour faire opter pour cette forme d'agriculture? Oui, merci beaucoup, madame. Vous avez parlé des difficultés de faire intégrer les forêts dans les décisions finales, parce qu'il y a des incidences. Vous savez, face aux pollueurs, ils savent qu'ils ont pollué et que les forêts constituent une solution. Quand eux-mêmes entrent dans l'engagement de dire que oui, les forêts constituent une solution, ce sont les forêts qui absorbent les pollutions dont nous sommes responsables. Il y a des incidences en termes financiers. Donc c'était la finalité qui faisait peur. Ce n'était pas qu'on ne comprenait pas la valeur des forêts, c'est la finalité. Donc c'est pour acter noir sur blanc que, ah bon, vous avez pollué, vous avez reconnu, donc vous allez payer. Alors calculons les forêts, c'est combien des tonnes de carbone par an
et puis payer à ces pays-là. Donc le problème, c'était au niveau, il y avait plus la vision de l'aboutissement de l'incidence financière. Mais comme il n'y avait pas d'autres arguments, il n'y avait pas d'autres moyens, il n'y avait pas d'autres solutions que de les intégrer, nous sommes parvenus à les faire passer. Vous avez parlé du fonds bleu du bassin du Congo. Vous dites que le leadership, c'est plus la République du Congo, c'est normal. La République du Congo ne travaille pas pour elle. Je vous informe que lors de la COP de Marrakech, le pays africain ont confié, donc le bassin du Congo, ces États ont confié la responsabilité de la commission climat du bassin du Congo au président Denis Sassou Nguesso pour prendre ses leads. Ce sont ses pairs, y compris nous, nous lui avons confié cela. C'est vrai que nous, on était absents à un certain niveau, mais c'était une décision de lui confier. Donc lui, le rôle qu'il joue, il ne le fait pas pour lui, il le fait pour le bassin du Congo. Voilà pourquoi moi aussi, j'ai reçu des instructions claires et précises du gouvernement de la République pour porter haut le flambeau du fond bleu du bassin du Congo, dont la gibecière est encore vide à ce jour. Parce que je parle Congo, République démocratique du Congo, je parle du bassin du Congo. Je crois que je l'ai souligné. Et c'est un devoir pour la RDC, étant donné que nous avons 60% de ces forêts du bassin du Congo. Vous avez parlé de l'eau. L'eau a sa place. D'ailleurs, la République démocratique du Congo, à elle seule, a 10% des réserves mondiales des eaux douces. Nous avons aussi 52% des réserves des eaux douces de l'Afrique. Il y a des demandes des eaux. Je vous ai parlé des Mbororo qui viennent chercher les pâturages. On ne peut pas parler des forêts sans les eaux. Ce sont ces écosystèmes-là, entre l'eau et les forêts, qui font que les forêts font qu'il y ait la pluie, les écosystèmes hydriques, et la pluie fait fait que la forêt soit florissante. Donc on ne peut pas les oublier, nous sommes bien dedans. Parce que tout simplement, étant donné que l'Égypte fait partie du pays désertique et la question de l'eau a eu sa place avec d'autres pays, on ne pouvait pas, nous aussi, parler de la question de l'eau, ça serait de redite. Nous avons tout simplement rajouté maintenant la question des forêts. Voilà, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. On va prendre la question de Dandy. S'il vous plaît, nous avons 20 minutes qui restent. Soyez court et précis pour nous permettre de répondre au maximum des questions. Merci. La première question s'adresse au ministre porte-parole du gouvernement. Cette floraison de télévision en République démocratique du Congo, vous avez fait allusion à la télévision numérique terrestre. Vous pouvez aujourd'hui nous dire dans combien de temps les télévisions qui émettent en clair pourront être fermées? Parce que plusieurs fois, le gouvernement a donné un moratoire, il y a eu des délais, mais jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. Si vous pouvez apporter un message par rapport à ça. Et en ce qui concerne la vice-première ministre de l'Environnement, plusieurs fois, la République démocratique du Congo ces plaintes de difficultés financières. En ce qui concerne le décaissement, le fonds promis, là vous parlez de 230 millions par exemple, jusqu'à 2030. Dites-nous, ces 230 millions, apportez-nous un peu de précision. C'est pour la RDC, c'est pour le bassin du Congo, ou si c'est pour le bassin du Congo, combien c'est réservé à la République démocratique du Congo? Merci. Alors, réponse rapide, floraison des télévisions. En clair, je crois qu'il n'y a presque plus de télévisions qui émettent en analogique et vous pouvez capter comme ça. Je pense que la plupart des fréquences ont été récupérées pour être démultipliées, pour avoir justement plusieurs canaux dans le numérique. Mais quel que soit le temps que ça prend, aujourd'hui nous avons fini le processus du contrôle de l'assainissement que nous avons engagé. Et sur ma table, il ne reste plus qu'à apposer la signature, parce que nous avons recensé plus de 260 chaînes de télévision qui ne répondent pas à la norme, souvent, que ce soit au plan administratif, au plan technique ou même au plan du contenu. Mais bon, après, on nous dit, le contexte n'est pas celui-là, il y a la guerre à l'Est, est-ce que si vous le faites, les gens iront au chômage? Mais je pense que là, avec
le rappel du président de la République, on sera bien obligé d'y aller pour permettre aux chaînes qui sont en règle et qui ne sont pas connectées des lettres. Aujourd'hui, il faut savoir que chaque métier a ses exigences. Si vous voulez travailler à la télévision, vous devez être en mesure de répondre aux normes techniques requises pour ces métiers. Pour une chaîne de télévision, une chaîne de radio, un média, on vous dit que les directeurs de programme ou les directeurs de rédaction doivent avoir au moins un diplôme Bac plus 5 en journalisme. Mais circuler dans les médias que vous verrez ici, si et seulement si ceux qui dirigent la rédaction répondent à ces critères prévus par la loi. Et lorsque vous regardez au plan administratif tous les schémas, avis favorable jusqu'au récépissé, est-ce que cela a été respecté? Bon, il y a eu des choses ou des choix qui ont été faits avant qu'on arrive. Nous avons aujourd'hui réussi à remettre le tout sur la table après les États généraux. Il nous reste des décisions à prendre. Il y aura sûrement des colères, mais je pense que ce seront des décisions qui permettront à certains, en tout cas pour ceux qui voudront continuer à travailler dans les secteurs de médias, à investir davantage pour être sûr qu'ils répondent à la norme. Sinon, on sera bien obligé de fermer Duralex et Dex. Merci. Oui, merci. En ce qui concerne les finances, la finance climat, j'aimerais dire que la finance climat ne se discute pas de manière globale. Il y a un thème thématique. La globalité, c'est par rapport aux besoins. Ici, je parle de la catégorie des pays les moins avancés qui sont victimes des réchauffements climatiques et je parle de la catégorie des pays comme le nôtre qui ont la réponse à donner face à l'enjeu du climat. Je prends par exemple, concernant la question relative à la finance, il a été évalué à 4 à 6 000 milliards de dollars par an pour assurer la transition mondiale vers une économie verte. Donc les pays qui n'ont pas encore de technologie actuellement, il faut des projets évalués à cela. Maintenant, ça dépendra de la capacité de chaque pays à présenter un projet pour qu'il y ait décaissement dans cette JBC. Le grand travail, c'est la technicité au niveau interne pour capter ces fonds. Je donne un autre exemple par rapport à l'adaptation. Par exemple, le pays comme le nôtre, c'est 230 milliards de dollars destinés à renforcer le pays d'ici 2030. Ça qui est l'adaptation. Maintenant, l'adaptation dans quel domaine? Prenons le cas de l'agriculture. Il faut que nous amenions des projets d'adaptation dans l'agriculture, des projets d'adaptation dans l'éducation, des projets d'adaptation dans l'intégration de la dimension genre, des projets d'adaptation dans l'intégration de la protection, par exemple, de l'environnement par le peuple autochtone. Madame la VPM, est-ce qu'on peut être un peu pédagogique à expliquer d'abord c'est quoi adaptation, pour que les uns et les autres comprennent ce que cela veut dire dans les jargons de votre secteur? Voilà, merci beaucoup. Je vais descendre. L'adaptation signifie ceci. Il y a le monde qui se réchauffe. Comme le monde se réchauffe, pourquoi le monde se réchauffe? C'est l'industrie. Il y a les raisons aussi naturelles. Chez nous, nous connaissons les raisons de l'éruption volcanique. Lorsqu'il y a l'éruption volcanique, cette chaleur, le feu, la langue de feu que vous voyez, dégage des dioxydes de soufre, qu'on appelle l'un des gaz à effet de serre. Ça va dans l'atmosphère, ça chauffe l'atmosphère. Évidemment, on ne peut pas être autour d'un volcan en éruption. La même chose de l'industrie. Je donne l'exemple de ce qu'on a connu ici, les Mumbunda et Kamine. La fumée qui est dégagée dans l'industrie, là, cette fumée-là, elle est toxique. Elle est constituée de particules, elle est constituée des gaz qu'on appelle les COD, les dioxydes de carbone. Elle est toxique. C'est un peu comme les groupes électrogènes. Je descends encore plus bas. Vous remarquez dans nos pays, dans notre pays ici, si je peux parler en lingala, ce qu'on dit groupe électrogène, au côté de la Katiandak, pour moi, les alibes, au Pélissi, Mouinda et Pela, Batoubarobi Matena Tongo. Pour gaz réseau dégagé hydrogène, wana, ba gaz wana, et qu'on aspire, pe manabino et aspire, pe ma oxygène, bozanango, batoubakoufa. Oyoka, batoutel, batiaki mbabola, nandaku, pona malili, bakoufaki. Batiaki, groupe électrogène, nandaku, bakoufi. Si ko, ba groupe électrogène, nandewan, les années tendisri, mombonda, ou ba idizini, bazo sala, pona ko fabrique ciment, ko fabrique mituka, ou bien ko sala industrie à transformation à pétrole. Milinga nyoso bomona kawana eza milinga moko ya mabe ya toxico e bebi sa rezo polué ta mususu bozomona ngona misu te me solo wana soko pemi ozokanga mapema. Les gens qui me suivent à l'ICAS savent que les usines
de fabrication d'acide sulfurique à Likasi, la route de Likasi à Kambove, les gens tout autour sont victimes de cette pollution. La même chose aussi vers Kolwezi. Donc, ce sont ces différents gaz à effet de serre. Pour qu'on puisse trouver une solution de cela, il faut des forêts, il faut Bazamba. Il n'y a que les arbres qui sont capables d'absorber ces pollutions. À Likasi encore, quand j'ai été là-bas, je vous ai dit qu'il faut reboiser parce que le traitement des minéraux avec les acides sulfuriques qui sont dégagés dans l'oxygène et dans l'atmosphère, vous manquez l'oxygène, il faut les arbres parce que les arbres se nourrissent justement de ces gaz de CO2. Les arbres les aspirent et les arbres dégagent l'oxygène au bisotopé makassé que nous, ce qui nous aide à respirer. Donc, 1, 2, 3, 4 arbres qui constituent la forêt sont capables donc de séquestrer, d'absorber cela. Alors, maintenant, on nous demande, nous, qui avons des forêts, qui avons ces arbres, contrairement aux autres qui sont dans les déserts, de préserver ces forêts. Pour aller cultiver, il ne faut pas couper les arbres, il ne faut pas mettre le feu. Quand vous coupez les arbres, vous mettez du feu, vous faites des actions passives, action mi balai amabe. Vous coupez l'arbre, vous ôtez une possibilité d'absorber la pollution. Et quand vous mettez le feu, vous émettez encore ces gaz de dioxyde de soufre qui se dégagent dans l'atmosphère. Donc, vous bébissez Makambu, il y aura encore le réchauffement climatique. Maintenant, pour l'agriculture, compte tenu de la situation actuelle du climat, nous devons nous adapter à la nouvelle donne du climat. Des combos adaptation ayez. On parle de programme d'adaptation. Comment s'adapter? Ne plus brûler, ne plus couper les arbres. On fait maintenant l'agroforesterie. C'est une technologie nouvelle. Pour changer bisaleli, environnement. Technologie neti na yakolona système asikezali oloni nzete okokipe kolona nzete apondu. Donc, on a un exemple, acacia ou bien nzeto babenga kaibi misaka mbinzo, bambinzo ba yakawana, okolo na pondu, oloni masangu, oloni nguba. Libosoto bando kanisake, soki oloni biloko wana, ndenge nzete ezali ekobimate, te tekniki ya sika ezali, o prepare mabele malamu babenga ango preparation de sol, ko prepare mabele wana, ko tia e babenga kaba compost, na baboye biloko wana ebele, ezo senga misolo. Technique yon ezo senga misolo. Nde yangwana tozo senga fond ya adaptation. Bo pesa biso misolo. Poto bate la zamba mokirie zikate. Alors tozana besoin ya ba makoki. Oye ko permettre biso to sala. Milona na biso na ndenge mususu. Ndenge ba oye ba yebi na ba zamba. Okolo na kakao ata ba nzete za minene. Kakao ba lona kangona ba se a nzete. Okolo na pe kafe ata ba nzete za li. Siko technique ya sika kolona pe ponduna masangu et kobima pe bien. Voilà, ça veut dire que nous devons faire beaucoup de pédagogie sur cette question parce que c'est cela aussi être pays solution. Voilà. Alors, on va prendre la série de trois dernières questions parce qu'on va gérer le temps. C'était quoi la sous-question? Oui, mais il y en a eu. C'était, est-ce qu'il y a eu allègement dans les circuits financiers en termes de décaissement? Parce que dernièrement, la RDC se plaignait de fonds décaissés, mais il y avait des difficultés pour la RDC de bénéficier de ces fonds. Oui, allègement, c'est-à-dire mécanisme, faciliter maintenant le mécanisme de décaissement. Je voudrais d'abord souligner que Monitant Tokenena COP, lorsque nous allons en COP, ce n'est pas là on rentre avec l'argent. Là, on va ficeler les décisions qui vont maintenant se mettre en œuvre. Donc, nous avons du travail pour avoir préparé même la pré-COP 27 à dater d'aujourd'hui, donc depuis que la COP avait été clôturée, jusqu'à la remise et reprise avec les Émiratis, d'appliquer les 92 résolutions moko na moko. Yakobi Misambongo, yako élaboré ba projet, yako salaboué. Alors, c'est pourquoi parmi les résolutions, nous avons cette loi, la loi que nous sommes en train d'amender aujourd'hui. Je m'adresse donc aux parlementaires de faire diligence pour avoir cette loi-là qui va nous permettre d'avoir, par exemple, l'argent pour les crédits carbone. Nous avons déjà un peu d'argent avec des programmes de Maïndombe, mais on les fait sans cadre juridique. On les fait selon, on dit, gentleman agreement. Boyo Kanikaka est volontaire. Voilà. Voilà, merci. Alors, on va prendre la question de Paul Matendo, Marlon Kachamou et Prince Maïro.
Une question, s'il vous plaît. Comme ça, ça nous permet de terminer. Une question. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je vais faire un effort pour poser juste une question. Parce que j'ai envie de faire invité du jour, mais bon. Madame la VPM. Après ici, vous pourrez faire invité du jour. Merci beaucoup. Rendez-vous pris. Madame la VPM, vous avez dit que la RDC s'est battue dans les forums internationaux sans chiffres. Alors, les données actualisées par les scientifiques ont démontré que le bassin du Congo constitue le premier poumon mondial en matière de séquestration de gaz carbonique. Est-ce que ces chiffres ont été confirmés à la COP 27? Excusez-moi, monsieur le ministre. Allez-y, allez-y rapidement, s'il vous plaît. Alors, à Yangambi, il y a eu des résolutions qui ont été prises. Parmi ces résolutions, il y a une qui a retenu mon attention. Il était question de lancer à Yangambi l'observatoire de forêt, de climat, de forêt et tourbière. Est-ce que le processus a déjà commencé? Parce que, regarde ce qu'on a vu à Yangambi, il est urgent qu'il y ait intervention en cette matière. Merci. Voilà, merci, Prince Maïro. Merci beaucoup. J'adresse ma question au monsieur le ministre de la Communication. L'actualité, c'est aussi la publication du calendrier électoral. Mais c'est cependant le samedi, lors de cet événement, le président de la CENI a insisté, je dis insisté parce que déjà au mois de février, lors de la publication de la feuille de route, il avait évoqué ces contraintes, notamment sécuritaires et logistiques, qui peuvent influencer négativement le processus électoral. Ma question est de savoir, est-ce que le gouvernement ne prend pas à charge ces questions ou il est déjà en train de travailler pour trouver des solutions? Merci. Merci. Marlon Kachamo. La question, c'est pour monsieur le ministre de la Communication et Médias. Alors, le processus de Nairobi, monsieur le ministre, le délai a déjà pris fin. Ça, c'est un. Deuxième chose, où vous allez encore allonger ces délais-là? Ça, c'est deux. Et troisièmement, que feront actuellement ou encore concrètement sur les terrains les forces régionales pour se confronter aux rebelles? Merci. Merci. Et d'ailleurs, c'est bien que vous reveniez sur le processus de Nairobi. Je vais demander à la technique de nous diffuser un bref extrait du discours du président de la République ce matin, justement, devant plus de 200 compatriotes qui représentent les différents groupes armés aux travaux sur les discussions politiques qui se tiennent à Nairobi. C'est assurément l'ultime opportunité pour les groupes armés encore actifs en RDC de définir leur avenir en optant pour l'une de deux options qui s'offrent à eux. Suivre le programme de désarmement et réinsertion sociale ou subir la rigueur de la loi, le choix leur revient. Ce lundi matin, ils étaient près de 200 à prendre part au troisième round de consultation politique de Nairobi, présidé par Emmanuel Ndayishimiye, président du Burundi et président en exercice de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Le président Félix-Antoine Tshisekedi, qui a pris part par visioconférence à l'ouverture de ces discussions, a en garant de la nation tenté de réanimer l'âme patriotique de ses compatriotes. Souvenez-vous de combien de dialogues, de tables rondes, de conférences nationales nous avons organisées. Combien d'accords n'avons-nous pas signés? À combien de trahisons, d'inconscience communautaire, de barbarie, de tuerie, de massacre n'avons-nous pas assisté? Combien de femmes n'ont-elles pas été violées? Il est temps pour chacun de nous de se détourner de nos actes odieux et de nous engager résolument dans la voie que je vous trace, celle du développement de notre pays, qu'aucun individu ou groupe d'individus ne saurait faire, ni taire, ni étouffer. Ces discussions avec les représentants des groupes armés et la société civile de province de l'Est du pays devraient aboutir à une feuille de route pour formaliser la cessation définitive des hostilités et intégrer le PDDRCS qui, contrairement à l'ancienne vision, se fonde sur une approche du désarmement et démobilisation en mettant un point d'honneur sur les relèvements communautaires, suivant laquelle la réinsertion des ex-combattants se fait dans une logique de cohésion sociale au sein des communautés et non
au sein de forces armées de la République. Réduire les inégalités sociales, assurer la prise en charge de jeunes par le programme de développement de 145 territoires, ainsi que la dotation des services de sécurité en capacité adéquate, sont là quelques assurances faites par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans son discours. Concernant le cas de rebelles du M23, le commandant suprême reste ferme. Ce dernier ne pourront prendre part aux consultations de Nairobi qu'à une seule condition, celle du respect strict de la ligne dictée par le communiqué final du mini-sommet du 23 novembre dernier à Luanda. Voilà, merci pour ces mots clairs du père de la nation qui s'adressait à ses compatriotes égarés au sein de groupes armés. Donc les dialogues, les discussions ont commencé aujourd'hui jusqu'au 3 décembre et à la fin nous espérons que nous pourrons avoir la fenêtre d'opportunités pour ramener la paix dans cette partie du territoire, réinsérer ceux qui étaient dans les groupes armés, mais l'urgence c'est aussi la question humanitaire. Alors, dans votre question, même si vous ne l'avez pas terminée, j'ai compris l'idée, le communiqué de Luanda était assorti d'un calendrier. On avait donné 48 heures pour que cessent les feux et je vous ai dit qu'on observe une relative accalmie. Même si les informations qui nous parviennent disent qu'il y a une forme de réorganisation ou des déplacements de matériel du côté des terroristes du M23, mais globalement, le message a été compris. Pour ce qui concerne les détails opérationnels, je crois que bientôt nous aurons un briefing avec le porte-parole de l'armée qui pourra nous dire ce qui pourra être dit, mais il faut rester dans l'esprit de ce qui a été dit par les chefs d'État qui ont pris la décision. Et donc, le temps de la réflexion, des réflexions est déjà terminé. Je pense sûrement, je ne suis pas de l'autre côté, que des dispositions sont en train d'être prises parce qu'ils ne pourront pas affronter à la fois les forces et toute la pression mondiale qu'il y a sur les sujets. Donc nous pensons que nous devons rester vigilants, autant nous devons rester optimistes pour donner une vue, une possibilité de rapidement arriver à la paix. Parce qu'il y a des compatriotes qui ont besoin d'être secourus rapidement, ils ont besoin d'eau, ils ont besoin d'abri. C'est pour eux que nous avons toujours fait le choix de privilégier les voies qui mènent à la paix. Alors, votre question me permet de rebondir rapidement sur la question de Prince Mahiro. D'abord, je dois rappeler ce que j'avais dit ces jours-là, c'est que le gouvernement fait et le gouvernement fera sa part. Nous sommes dans un processus qui est laborieux, parce qu'il faut enrôler à peu près 50 millions d'électeurs. Vous savez que la question électorale est une question qui soulève toujours beaucoup des passions en République démocratique du Congo. Je ferai donc l'économie de revenir sur les doutes des uns et des autres, parce que la publication de la feuille de route, les gens n'avaient peut-être pas fait très attention, sinon certaines préoccupations n'auraient pas été soulevées, mais la publication du calendrier électoral vient montrer que nous sommes dans la droite ligne. Et aujourd'hui, parmi les contraintes qui ont été listées, le gouvernement, comme je l'ai dit, fait sa part. La CENI avait besoin pour cette année d'à peu près 600 à 640 millions de budget ou 600. Le gouvernement est déjà à plus de 400, 450. Le gros a été donné et d'ici la fin de l'année, parce que malheureusement, nous avons à la fois des contraintes que nous impose cette situation de guerre, nous avons des contraintes au regard de notre partenariat avec le Fonds monétaire international et toutes les questions sociales qui doivent trouver des réponses en même temps. Mais quoi qu'il en soit, le gouvernement a déjà suffisamment montré sa bonne foi pour financer l'organisation des élections. La contrainte la plus inquiétante, et nous espérons que le processus de Nairobi à la suite du mini-sommet de Luanda nous permettra d'y trouver une réponse, c'est la question de la sécurité. Vous avez suivi que les terroristes du M23 avaient saccagé et pillé les matériels électoraux dans le Rutshuru. Aujourd'hui, il y a à peu près 400 000 compatriotes qui sont déplacés, qui ne sont pas chez eux. Et donc, lorsque la CENI va commencer le processus d'enrôlement par aire opérationnel, lorsque le moment de cette partie du pays arrivera, je ne suis pas la CENI, mais il serait souhaitable que la CENI ait déjà pris le temps d'avoir ses bureaux réouverts, d'y convoyer le matériel électoral et que les compatriotes qui sont déplacés par 400 000 puissent retourner chez eux parce que c'est là qu'ils doivent être enrôlés, parce que c'est là qu'ils doivent être votés. C'est ici l'occasion d'exhorter encore de nouveau la communauté internationale, parce qu'elle est partenaire au processus, d'user de tous les moyens diplomatiques à leur niveau
pour que la situation sécuritaire que nous déplorons actuellement puisse se terminer, parce que cela risque évidemment d'avoir une incidence. C'est aussi l'occasion de rappeler à toutes les parties prenantes, les moments venus, nous pourrons faire une communication conjointe avec le président de la CENI, où il aura l'occasion d'expliquer dans les détails ce qu'il entend par contrainte et comment les processus vont évoluer. C'est aussi l'occasion d'encourager toutes les parties prenantes, les sceptiques, de se mettre dans les trains électoraux pour qu'on n'écrit pas 6 mois avant qu'il y a eu ceci, allons au dialogue, on ne fera pas ceci, on ne fera pas cela. Nous sommes à une année, nous pouvons le faire. Et donc ici, je conclurai en réaffirmant la volonté du gouvernement, du président de la République, de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que le peuple vote, parce que c'est du peuple que nous tirons les sceaux de notre pouvoir. Madame la vice-première ministre, je veux vous donner la parole pour répondre rapidement aux questions de Paul Matendo qui déjà veut vous inviter pour au CAPI et aller dans le détail. Donc, des réponses... Oui, merci beaucoup. Vous avez demandé si on a fait adopter la capacité en termes chiffrés d'absorption de pollution par nos forêts là-bas. Non, c'est le principe que nous avons fait adopter. Nous avons intégré les principes de l'importance des forêts. Vous savez pourquoi? Parce qu'au niveau du bassin de l'Amazonie, rien que le Brésil dispose de 17 tours à flux. Et ces 17 tours à flux ont donné les données techniques de la capacité de 1,4% de séquestration des forêts. Mais nous, dans le bassin du Congo, on n'a qu'une seule tour à flux qui se trouve à Yangambi, qui a démontré que nos forêts ont la capacité de séquestration de 1,7%. Donc, si nous acceptons ces chiffres aujourd'hui, c'est que nous avons même revu à la baisse peut-être les capacités de nos forêts. Donc, nous sommes dans des projets plutôt de mettre des tours à flux pour les carbones couchés, des tourbières, des projets des autres tours à flux. Il y a les forêts de Mayumbe, il y a les forêts de Maïndombe, de l'Équateur, etc. Peut-être si nous avons 2, 3, 4, 5 tours à flux, ça va nous donner encore beaucoup plus de la lumière. Et avoir des tours à flux au Congo, République du Congo, ou au Cameroun, au Gabon, ça va nous permettre de comparer, de nous donner encore plus de la lumière de ce que nous valons réellement. Donc on ne pouvait pas se hasarder à nous limiter, ça c'est nous restreindre nous-mêmes, mais le principe nous l'avons fait accepter. À ce qui concerne la décision, donc la demande de mettre l'observatoire climat, forêt, etc., c'est la responsabilité du gouvernement et je suis en train de m'y mettre. Je viens de rentrer. Le vendredi, j'ai fait les rapports au gouvernement de tout ce qui a été notre participation. Et aujourd'hui, lundi, par respect à la population congolaise et via vous, les médias, je vous dis merci pour ça. Et maintenant, je vais m'y mettre à le faire parce qu'il n'y a pas seulement le volet environnement, climat, mais vous savez, nous sommes confrontés aussi à la situation de l'environnement, assainissement. Merci. Voilà, avant de terminer ce briefing, je voudrais signaler, disons, à travers vous, qu'il y a eu une légère augmentation du carburant qui a été opérée par le ministère de l'économie. Cette augmentation va de 100 francs congolais pour les gasoils dans les zones nord et sud, 160 francs congolais pour l'essence dans la zone ouest, 30 francs congolais pour les jets A1 pour le vol international. Les prix sont restés inchangés, notamment pour les jets A1 de vols nationaux. Cette augmentation partielle est justifiée par une anticipation fondée, sur l'évolution des paramètres de la structure de prix des produits pétroliers. Vous savez que le Brent a d'abord chuté de plus de 100 $ à $84, avant de reprendre la tendance haussière où elle se situe aujourd'hui autour de $90. La nécessité de soulager la trésorerie des sociétés pétrolières. Vous savez que les écarts entre le juste prix et les prix sociaux est assez important et c'est ce qui est couvert par le gouvernement. Nous sommes à plus de $400 millions. Et trois, le maintien de l'équilibre du système d'approvisionnement en carburant. C'est donc une décision qui a été prise pour prévenir. Madame la vice-première ministre, oui. Nous terminons par là. Oui, si vous permettez, c'est une raison de plus pour que tous les Congolais, tous ensemble, nous soutenons donc notre projet d'appel d'offres d'exploitation de nos ressources naturelles, nos 27 blocs pétroliers et gazés, pour nous aider par rapport à l'énergie. Il faut aussi que nous puissions soutenir la transformation locale de nos minéraux stratégiques qui nous aident à accéder donc à cette transition écologique d'avoir les véhicules électriques, donc fabrication des batteries ici. Parce que j'attends parfois des sons de cloches contraires dans des tweets et tout, les gens qui ne croient pas.
Il faut réaliser, il faut croire dans ce que nous voulons, parce que nous ne pouvons pas continuer à importer cette denrée-là dont on parle aujourd'hui du pétrole, alors que nous l'avons sous nos pieds. Nous avons besoin de l'oxygène dans la protection de l'environnement. Nous n'allons pas nous départir de notre objectif de protéger l'environnement, mais nous avons aussi besoin du pain. Voilà. Merci. Voilà. Merci, mesdames et messieurs de la presse. À une prochaine occasion. Merci. Sous le patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo,